Salut à tous, c'est Wolfie, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas j'ai la patate. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un portail du nether totalement automatique. Donc vous voyez, si j'appuie sur le levier, il passe en home, vous allez dans le nether, donc là je vais pas y aller parce que c'est pas le but de la vidéo. Et vous le passez sur le rouge, ça tourne en off, et ben il est off. Le système est tout ce qu'il y a de plus simple, vraiment, vous voyez, il y a vraiment mais rien. Donc vous aurez besoin pour faire ce portail d'un minimum de 10 obsidiennes pour créer le portail. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là il y a 14 obsidiennes. Donc moi je mets les angles parce que c'est mieux. Vous faites comme vous voulez, il suffit que ça fasse un portail du nether. Du coup vous commencez par construire votre portail. Je mets les angles, donc je répète, vous n'êtes pas obligé de le faire. Le portail du nether, la taille que vous voulez, hein. Ensuite derrière vous allez mettre ce bloc là est provisoire. Donc un dispenser, ah oui j'ai oublié de le dire aussi, donc après vous aurez besoin de 6 blocs solides, moi j'ai pris de la nether brick parce que c'est dans le thème du nether, 2 dispensers, un piston collant, un observer, 2 poudres de redstone, un repeater, un levier, un briquet et un seau d'eau juste ici. Du coup là vous mettez votre dispenser juste ici, un bloc, 2 blocs comme ça et encore un bloc au-dessus. Et tout en haut, vous mettez un dispenser. Donc ça, c'est tout ce qui finit pour la partie visuelle. Juste, vous mettez un levier ici, sur le deuxième bloc, au niveau du dispenser. Derrière, vous mettez un piston qui regarde vers le haut, avec un observer qui regarde vers l'extérieur, qui envoie son courant vers l'intérieur. En haut, vous mettez une poudre de redstone, avec un repeater mis à 2 ticks. 2 ticks, c'est très important, pas 1, 2. Ensuite vous mettez un bloc ici et un bloc en dessous avec une poudre de redstone ici et c'est déjà fini, c'est super rapide. Donc vous voyez que si vous l'activez ça fait rien tout simplement parce que j'ai oublié de mettre un briquet dans le dispenser du bas, un seau d'eau dans le dispenser du haut. Si j'active en bas ça va l'éteindre, active en haut ça va allumer, active en bas ça va l'éteindre, active en haut ça va allumer et ainsi de suite. Après moi ce que j'ai fait c'est ici j'ai mis des item frames avec un morceau de concrete rouge en bas pour signifier le off et en haut pour le on. Du coup en bas rouge off, en haut rouge on. Donc en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à commenter, votre avis m'intéresse. Si la chaîne te plaît abonne-toi et moi sur ce je te dis ciao.